À toi de jouer! Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale vidéo en vrac, qui est plus une vidéo spéciale critique consacrée aux vidéos en vrac. Oui, je sais, je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo spéciale critique depuis déjà un bon bout de temps, parce que déjà j'étais vachement occupé avec pas mal de vidéos en préparation, et en plus j'étais occupé avec le tournage de l'équipe des décalés, donc j'en m'en excuse par avance, mais ne vous inquiétez pas, je compte... En faire d'autres, des vidéos spéciales critiques de n'importe quel sujet, que ce soit des séries inconnues ou n'importe quoi. Donc on va se contenter de cette vidéo spéciale critique consacrée aux vidéos en vrac. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui auraient oublié, les vidéos en vrac sont est une vidéo où je vais critiquer certaines vidéos, notamment 3 vidéos que j'ai sélectionnées moi-même, et après c'est à moi de juger si elles sont bien ou pas. Voilà, donc c'est parti, on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite à ces... vidéo spéciale consacrée aux vidéos en vrac. Andiamo. Alors pour commencer, on va s'intéresser à un mec qui fait du surf. Est-ce que ce monsieur n'est pas un peu bourré par hasard? Un peu de pitié pour ce type, je vous en prie! Ah, s'il te plaît, ne commence pas! C'est déjà assez chiant de faire une critique sur cette vidéo, alors si tu mets ton grain de sel, on va pas y arriver, hein! Déjà, pour commencer, ce type, je ne sais pas pourquoi il fait du surf, mais en plus, il est constamment, mais bourré. Voilà, il est bourré. Déjà, je ne sais pas pourquoi on lui a demandé de faire du surf alors qu'il est complètement, mais pété à l'alcool. Mais une chose est sûre, il est mal tombé. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Oh que j'aime bien. Même mon chat, il aime bien ça. C'est pas drôle. Bon, alors, attendez. Je sais pas exactement pourquoi et pour quelle raison on lui a demandé de faire du surf alors qu'il est complètement mais bourré à l'alcool. Bon, je sais pas. Bon, alors, la vidéo est sympa, mais très sincèrement... Enfin, elle est pas plus que sympa, elle est aussi assez, un petit peu drôle, on dirait presque un sketch de Bénil. Bon, alors très sincèrement, bon, alors la vidéo est sympa, mais bon, j'ai un peu pitié pour ce pauvre mec. Je sais pas pourquoi on lui a demandé de faire du surf en étant bourré, mais c'est pas grave. Mais bon, j'espère qu'il sera pas trop dégoûté d'être une victime, mais au moins, une chose est sûre, il a fait le buzz sur le web. Noni. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, on va s'intéresser tout de suite à une autre vidéo sur un mec... qui manque pas d'air. Oh putain, je m'y attendais pas à cela. Oh non, le chien. Ok, on a affaire à un mec qui visiblement est un... est un comique. Franchement, c'est un comique. Je sais pas d'où il sort celui-là, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon, lui aussi, quelque chose me dit qu'il va faire le buzz sur le web. Avant que c'est peut-être déjà fait. Oui, je crois qu'on peut dire ça, oui. Arrêtez avec ça! On s'en lasse pas! Bon, je sais pas exactement si c'est drôle ou si c'est un petit peu dégueu quelque part, mais bon, une chose est sûre, ça va, on peut dire que très sincèrement, je ne sais pas ce que devient ce type, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, bon, alors une chose est sûre, soit il s'est fait virer de son travail à cause de cette connerie, mais bon,
Je sais pas, je préfère pas imaginer tellement c'est con. Attends, la preuve inachevée. Ouais, en plus, ça tombe bien parce qu'on s'en bat les couilles. Allez, puisqu'on parle de vidéos sympas, regardez, je vais vous présenter un mignon petit chat qui assez particulier. Mais qui c'est qui mignon? Mais que c'est que mignon? Mais que c'est que mignon? Hein? C'est un petit bébé mignon. Hein? Hein? Oui, hein? Oh oui. Hey, franchement, cette vidéo, bon, je sais qu'elle fait un petit peu flipper parce que sous prétexte que le chat a des petites canines qui dépassent tellement, on dirait quasiment, mais le chat de un chat vampire limite l'animal de compagnie de Dracula. Mais franchement, très sincèrement, je la trouve mignonne. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve mignonne comme vidéo. Je sais pas d'où elle sort, mais bon, franchement, c'est sympa à regarder. C'est bizarre, mais en regardant de près, on dirait presque Nonpire. Vous savez, Nonpire, le petit manga sympa tout mignon qui raconte l'histoire d'un chat vampire. Non, attendez, vous savez à quoi ça me fait penser? Vous vous souvenez du sketch d'une fausse pub des inconnus? Enfin, c'est surtout un sketch des inconnus dont le titre du sketch se nomme Criticrate, où il s'est tiré d'une parodie de publicité pour la nourriture pour chat. Ben voilà, c'est ça. On a retrouvé Criticrate. Voilà, c'est ce chat, c'est quasiment le chat de la pub Criticrate, quoi. C'est exactement ça, quoi. C'est normal, il n'a pas eu son Criticrate. Criticrate pour le minou à sa maman. Bon petit minou ça. Bon, mesdames et messieurs, je propose qu'on s'arrête là. Alors, bilan de cette vidéo critique consacrée à ces trois vidéos en vrac. Alors, la première vidéo sur le mec bourré qui fait du surf, bon, elle est bien, mais bon, faut pas trop la juger ni trop la... Enfin, il faut pas trop la juger trop sévèrement. Bon, d'accord, c'est un petit peu drôle, c'est un petit peu... bref, bon, évitez de pas proposer à des gens bourrés à faire des défis, sinon après, ça pourrait avoir de mauvaises conséquences. Donc apprendre ça au premier degré. Quant au mec qui lâche une flatulence sur un micro dans un supermarché de type Walmart, bon, la vidéo est bien, bon, encore faut-il qu'elle soit bien. Une chose est sûre, ce mec ne manque pas d'air. Et quant à la troisième, le petit fameux petit chat avec les canines surdimensionnées, qui fait penser quasiment mais un chat vampire, et ben... Elle est mignonne, franchement, elle est mignonne. Je vais pas cracher dessus, mais c'est franchement, c'est littéralement, mais c'est la pub Criticrate version kawaii, quoi. Hein? Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose qu'on s'arrête là. C'était donc la vidéo critique consacrée aux vidéos en vrac. Si cette vidéo vous a plu, et ben, si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce